Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que me retrouve à Zot tous les matins sur Télécréole entre 6h et 6h25 pour se causer la réunion. Mi salut Zot toutes là, mi Zot le bonjour, cette là vienne connecte à Zot et puis cette l'était là depuis ce matin sur la télévision, elle est bien branchée. Mizazot, tiens beau, serré, largue pas, et me rappelle aussi les commentaires que tu as envoyés à nous, bah, nous tient compte, et puis si elle est intéressant pour le journal, bah, nous fait un petit article dessus. Et puis les messages arrivés sur le 06 92 006 157, bien sûr, bah, nous va donner à Zot, hein, Zot les bons messages, hein, les messages bien sûr qui concernent l'actualité pour se causer la réunion là, hein, et puis les dédicaces, comme il rappelle à Zot, hein, dimanche dernier, bon, bah, dimanche dernier, il n'a pas gagné fait, dimanche dernier, pas gagné fait, pourquoi? Petit souci internet, on m'avait dit à Zot la dernière fois, mais là, les gens ils demandent à moi toujours pourquoi il n'a pas été fait. Donc voilà, mais il pense que le problème, le souci, l'a été réglé et bah, on va continuer sur ce lancer-là. Hein. Nous va passer justement avec l'actualité qui concerne notre pays, La Réunion, avec cette histoire avec Huguette Bello et l'État qui demande à l'État de ne pas contraindre à Air Austral de fusionner avec Corsair, parce que bon ben le problème c'est que c'est quoi de fusionner avec si n'a pas de concurrence après, bon, que Corsair est capable d'absorber quand même Air Austral, parce que Corsair c'est un affaire qui desserve pas rien que La Réunion, ils desservent ailleurs dans le monde, ils desservent aussi toute du côté de la Guadeloupe, la Martinique, tout ça, donc déjà des millions qui ont été déjà investis avec le département là-dedans, ben, à la mettre ensemble, a gagné aussi de l'argent un peu du côté de l'Europe aussi, si je ne me trompe pas, et puis l'État français est prévu de donner de l'argent aussi pour justement renflouer un peu Air Austral, hein, qui perd quasiment plus de 10 millions d'euros par mois, donc avec la crise sanitaire que nous courons là actuellement, elle est tout à fait belle et normale, hein, donc le monde ne voyage plus, il a des restrictions. Voilà, et puis les gens ils prennent pas trop Air Austral, la plupart du temps les gens ils prennent les autres, ils prennent d'autres compagnies pour arriver ici, hein. Et l'autre compagnie avait deux, avait French Bee qui l'avait bloqué un coup là, mais si je ne me trompe pas, ben allez encore en attente, et puis on a Air France, hein, qui a eu des milliards avec l'État, les milliards des impôts, tout ça pour pouvoir continuer à fonctionner, nous voit que quand plus que les gros, plus qu'ils gagnent de l'argent, donc... Le petit compagnie régionale Air Austral, donc, ben, en train de voir là, comment faire les affaires. Hein. Donc, si le gouvernement il veut que Air Austral il fusionne avec Corsair, ben, ce sera certainement la mort de la compagnie de La Réunion, hein, donc, parce que c'est une grosse machine là-bas, Corsair, hein, ce que nous dit. Nous va partir du côté du tampon, une femme de 70 ans qui a été agressée au coup de couteau là, dans la poste, hein, femme de 70 ans, mais rappelle, la poste, le tampon, bah, elle était consciente des informations, comme elle a reçu, c'est des informations d'hier, hein, donc consciente au moment de l'arrivée des secours, mais il présente une plaie bien ouverte dans son bras droit, elle a été transférée du côté du CHU Sud. Alors les circonstances n'ont pas été vraiment trouvées, donc maintenant elle est en train de passer l'enquête, hein, donc nous va dire Zot si les affaires y aboutissent, hein, donc ben là, à l'heure où on a reçu les informations, je ne sais pas si c'est une forme que l'a donné ou un book que l'a donné, donc on va bien voir ça. Et on va donner à Zot les infos d'ici demain matin. Si on a les infos, hein, parce qu'en règle générale, ben là, ils ne donnent pas trop ces infos-là. Hein. Quand il a fini. Hein, donc voilà. Nous passons du côté de Mayotte avec 70 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine. Donc le taux d'incidence, il passe de 25,1 pour 100 000 habitants. Hein, c'est la semaine du 14. Au 20 août, voilà, donc nous avons quand même pas mal de affaires. Hein. Nous avons aussi des patients là-bas du côté de Mayotte, hein, donc 70 cas de nouveaux cas à Mayotte, là-bas nous avons aussi pas mal de patients, les malades de l'autre côté là-bas. Et puis Mayotte, que l'été un peu épargné, nous voit qu'ils montent tout doucement les cas de Covid. C'est l'agence régionale de santé qui dit ça, hein, qui dit à nous ça. Hein. Il y a une personne qui a été hospitalisée au service de médecine, et puis il y en a d'autres malades de Covid. Hein. Le malade de Covid, il n'est pas forcément que ça va
à l'hôpital, hein, la plupart du temps, ben, quand on est malade du Covid, ben, on reste sous case avec on reste en isolement. Et ben, n'y attendre que ça se passe. Hein. C'est un peu comme une grippe, hein, d'après ce que m'avait dit la dernière fois. Hein. Donc, le nombre, ben, est en hausse hein, depuis. Il commence à hausser tout doucement. Hein. Ben, au tout début, il était 2,1 pour 100 000. Maintenant, les biens, machin. Alors, nous allons revenir ici à La Réunion avec le port, du côté de la prison du port. On est à 20 détenus et 6 agents, les positifs au Covid-19. Un foyer de contagion assez important a été recensé justement du côté du port là-bas. Hein, une trentaine d'autres surveillants l'ont été dépisté aussi ce lundi, c'est-à-dire hier, bah, dans l'après-midi, les dépistages continuent pour aujourd'hui, mardi. Voilà pour du côté du port. Et puis nous avons aussi, bah, l'information, elle parle beaucoup de Covid hein, là-dedans, parce que là, point d'autre chose intéressante de ailleurs. Donc nous parle du Covid parce qu'il y a beaucoup d'informations qui concernent le Covid. S'il y a d'autres informations dans notre pays ou ailleurs, un petit peu frais quand même le week-end. Le week-end, la pointe trop. Lundi, il est encore frais. Mardi, commence à chauffer un peu. Mercredi, il y a des informations. Il déboule dans tous les sens. Hein. Nous avons aussi alerte Covid là-bas du côté des Antilles. Des chiffres qui montrent une catastrophe clé en cours. Hein. Nous avons le service de réanimation. Ben, hier, nous avons vu, en commenté. Hein. L'histoire des personnes de 50 ans qui n'est pas pris en compte pour de vrai. Hein. Si nous réfléchissons dans le monde un peu partout, ça a toujours existé. Hein. De toute façon, il fait une sélection, un tri. Hein. Si voilà, la personne n'est trop vieux, en règle générale, il ne fait plus trop un cas avec. Hein. S'il n'a plus la place, hein, des fois, il préfère laisser la place aux personnes un peu plus portantes. Après, tout dépend comment tu calcules cette affaire. Hein. Alors, il y a un tri là-bas du côté du service de réanimation à partir des 50 ans, là, les malades au-dessus de 50 ans, et celles en dessous, n'a au moins un facteur de comorbidité, elle n'est plus intubée du tout, d'après des infirmières que la partie travaille là-bas au CH de Dunkerque, la partie travaille là-bas du côté de la Martinique, elle a été envoyée en renfort à l'hôpital à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, hein, donc à prendre avec précaution ces informations-là. Hein, donc, quand elle n'est pas vraiment officielle, des fois, il faut faire très attention. Donc, entre guillemets, hein, nous mettre ça. Hein, donc, c'est la semaine dernière que Bana, un petit bout de temps, hein, comme elle avait dit ça la semaine dernière, Bana et Diao aussi, que la paix ne sera pas vraiment énorme. S'ils perdent 2-3 vieux, voilà, déjà, ils portent à. Il porte un petit peu à confusion dans cette histoire là, l'hôpital. Là. Normalement, il fait pour soigner tout le monde, hein, donc il n'est pas fait justement pour soigner simplement des personnes, les jeunes en parfaite santé. Hein. Donc, il me rappelle à vous aussi, comme là-bas du côté des Antilles, la situation elle est assez catastrophique d'après les médias et d'après les autorités qui disent, hein, nous est pas sur place, hein, nous connaît pas. Vous connaissez très bien quand il y a un nom d'un journal que les affaires sont complètement cassées, là, des charrettes chavirées, la plupart du temps, les titres, la manière de dire, ils portent à confusion. Des fois, hein, donc il faut faire très attention à tout ça. Hein, donc, et puis, l'histoire de la vaccination pour les Antillais, la Guadeloupe, tout ça. Nous avons aussi ces fake news là, il faut faire très attention parce que ici à La Réunion aussi, nous avons bon peu ça, surtout sur les réseaux sociaux, surtout aussi sur YouTube, nous avons des gens qui amusent à d'autres à faire circuler de fausses informations beaucoup de gens, ils prennent pas ça avec précaution comme ils disaient, mais les gens ils lisent ça, ils croient que c'est vrai. Hein. Comme il dit dans la situation, hein, beaucoup d'habitants les prient avec ça. Donc, et puis il dit à nous aussi que les maires les un peu ennuyés, n'a tellement de morts, quand il y a tellement de morts, on dirait il y en a des millions de morts, donc il y en a beaucoup de morts, disons. Hein, et les maires, il y a su plus trop les enterrements, les un peu compliqués pour vous atteindre. Donc nous va faire ça. Et puis, nous avons aussi ce couvre-feu ici à La Réunion. C'est une semaine, décisive. Hein, le préfet doit intervenir bientôt là pour donner son avis comme d'habitude. Hein, donc,
Il attend que l'épidémie y freine un peu. Donc, on va bien attendre que ça lui ça dit à nous encore là. Hein, c'est quoi la stratégie que nous a mis en place cette fois-ci pour lutter contre le coronavirus hein, à partir du mois de septembre. Hein. Donc, nous va bien voir ça. C'est vrai que c'était un petit peu décalqué sur la Martinique, la Guadeloupe, c'est un peu les autres départements, mais vu que maintenant la situation, les conditions n'est plus pareilles, hein, donc chaque département a son propre système maintenant, donc il ne peut pas trop adapter ici à La Réunion. Alors nous parle aussi toujours dans ce causé La Réunion du décès, de la mort d'un petit marmaille là, sa maman avec lui là, son moment l'a transmis à elle le Covid là pendant sa grossesse. Ça n'est pas ici La Réunion, hein, elle est en Occitanie là-bas, donc Banaï précise que l'origine du décès de la mort est directement liée au Covid, hein, donc Banaï annonce que ça. Hein. Elle a fait une autopsie, a regardé dans le corps du petit marmaille, hein, post-mortem, elle a dit que c'est le coronavirus, la tue le petit marmaille, et c'est la maman qui l'a donné ce Covid. Ben, c'est tout à fait normal qu'elle l'a donné, puisqu'il est dans son corps. Donc, après les informations, elle donne à nous ça, les machins. Donc, voilà, le Covid-19, beaucoup de personnes y pensent, ils attaquent que les vieux, hein, apparemment. Elle a fait une politique au tout début de la crise Covid en disant que faut vacciner tous les vieux, c'est les vieux qui gagnent, les jeunes ils gagnent pas. Banal a dit comme ça, les marmailles ils gagnent pas du tout le Covid, hein, Banal, c'est un facteur, elle a pris beaucoup de facteurs. Vous allez bien, en pleine forme, en pleine santé, donc vous ne gagnez pas. Et là maintenant, le Covid a remuté encore, donc il touche les marmailles. Une actualité quasiment covidée aujourd'hui, hein, donc il n'y a que ça dans les affaires. Donc coronavirus aussi, un médecin, il dépose plainte contre Nicolas Dupont-Aignan pour diffamation. Hein, il bataille un peu aussi pour Raoul, là, le professeur Didier Raoul, hein, de l'UIT de Méditerranée. Hein, donc Nicolas Dupont-Aignan l'a critiqué les autres médecins. Il disait que pendant que les autres médecins, ils laissaient Demoun mort à l'hôpital, tout ça là, hein, covidé avec avec l'aspirine, avec Doliprane, et donc Raoul lui a trouvé la solution pour il a sauvé pas mal de personnes malades. Donc Dupont-Aignan, c'est des diffamations que Banaï fait sur Twitter. Alors il critique aussi, il critique pas mal de choses, hein, donc voilà le Banaï il critique. Et donc les médecins aussi que les contre, mais ça joue un peu le rôle, comment dire ça, ça c'est quand il est pas bon, de toute façon il critique, hein, le bougre il est là pour ça, pour faire connaître à lui aussi, ça porte à lui aussi un peu les élections, même train comme là aussi, hein. Il disait aussi pas mal de choses là-dessus, professeur Raoult aussi qui dit aussi dans un communiqué, parce que lui il a fait beaucoup de YouTube, beaucoup de gens ils suivent, il a dit c'est le plus vieux professeur que les là-bas normalement, il s'apprend à 69 ans, il s'apprend sa retraite aussi, il est bon pour prendre sa retraite, donc lui il pose pas de problème, hein. Beaucoup de gens ils commencent à essayer de récupérer ça de façon politique, tout ça, donc mais après voilà. Nouna aussi nous va fermer cette parenthèse, nous va revenir dessus, on va voir un petit peu comment Banaï réagit un petit peu là, parce qu'il est un peu frais ces informations là, donc on a bien voir si le plainte les aboutit, hein, parce que les médecins, les bonnes chefs de médecins, les syndicats de médecins, tout ça là, il aime bien que ces autres n'ont raison dans toutes les affaires, mais si un étranger à la médecine y arrive, il commence à causer là-dessus, il est prêt à porter plainte, hein. Et même ici à La Réunion, si nous regarde bien, c'est un fait, c'est une réalité, hein. Donc ça demande à un médecin de venir faire une émission avec vous, et là, il va dire ou non, hein, parce que il faut passer par son syndicat. Et son syndicat va envoyer une exprès pour venir causer avec vous. Et vous ne pouvez pas causer avec ce que le syndicat a envoyé, ou vous voulez causer avec le bougre que est en face de vous, vous avez besoin de causer avec lui, non. C'est pour ça aussi que nous voit sur dans les actualités, c'est toujours les mêmes têtes qui arrivent, c'est toujours les mêmes médecins, c'est toujours les mêmes bougres qui arrivent à terre là. Pourquoi? C'est Banaï a choisi, c'est syndicat a choisi. Et ça ne veut pas dire moi le contraire, parce que là, c'est un peu du n'importe quoi aussi, hein, des fois. Hein. Bon, nous allons passer aux États-Unis là-bas avec pour les 16 ans et plus là, le Pfizer qui est autorisé, avec le Johnson & Johnson qui a été 100% approuvé de l'autre côté là, mais là maintenant c'est le Pfizer.
pleinement approuvé ça depuis lundi, hein, l'alliance Pfizer-BioNTech. Hein. Pour les personnes de 16 ans et plus, hein, c'est le régulateur américain hein, qui l'a pris ça. Hein, une décision qui, d'après eux, il devrait aider à renforcer la vaccination dans notre pays. Problème de vaccination aussi, c'est une affaire hein, partout dans mon écrit. Hein, la Réunion, il progresse si doucement avec la vaccination. Hein. Et puis, je me rappelle à eux aussi que moi, personne n'a beaucoup de jeunes, ils ont été, ça m'y pense de la vaccination, moi, m'y pense pas rien de la vaccination. Mais la vaccination, c'est une affaire que, on a la mettre en place pour les gens, on a d'autres raisons. Et puis, je veux dire, ou des fois, on n'a pas le choix non plus. Hein. Maintenant, si vous ne vaccinez pas, on n'a pas le pass sanitaire dans certains restaurants, dans les restaurants où ça aura pu, et puis dans des endroits bientôt où ça aura pu. Et puis, on a aussi des excès de zèle dans certaines entreprises, même que vous n'êtes pas obligé de demander, demandez le pass sanitaire, monsieur, madame, on a le pass sanitaire, ou la point, ben reste dehors. Donc voilà. Après ça, c'est un peu Mad Moon, la fin gagne tellement cap suzote de suzote que vous connaissez, quand il voit où, tout de suite, il voit pas comme un Moon, comme un vrai personne, il voit comme un Covid, comme le virus qui arrive devant vous, ça attaque à vous. Donc, comme si que le pass sanitaire va protéger Moon du Covid, vraiment. Je n'ai le Covid, je n'ai le pass sanitaire, ou là, on rattrape le Covid en dedans, comment on fait, ou là, ben, on a toujours le Covid même, ben, c'est à où qui rentrera pas à l'hôpital, le vaccin, on aura moins de problèmes. Qu'on va rentrer à l'hôpital, mais le Covid, il reste le Covid. Le virus, il est en face de vous, il va attaquer ça vous-même. Hein. Voilà. Nous avons aussi la rentrée là-bas du côté de la France avec les bonnes politiques qui disent un peu n'importe quoi des fois, hein, parce que maintenant, il devient vulgaire, il devient, comment dire ça, il devient arrogant dans notre propos. Nous avons vu, hein, depuis le début, même Emmanuel Macron, ben, il est un peu sec, direct, même les ministres, tout ça, bon, il ne maille pas, ben, ça a besoin de dire une affaire, les pires que ben, normalement, il faut avoir un peu de diplomatie, hein, beaucoup de ministres, beaucoup de personnes là-bas, bon, ben, il n'y a pas de diplomatie du tout dans notre affaire, bon, allez, direct. Voilà. Et puis, sur la point d'entente entre eux aussi, la plupart du temps, là, comme nous voit pour la rentrée scolaire, Blanquer qui dévoile le protocole de histoires pour l'école, là, dans le journal du dimanche. Voilà, donc, il parle dans le journal du dimanche, ben, en France, là-bas, du protocole, comment il s'est fait, comment il faut faire, il parle de tout ça. Mais en fait, Blanquer, lui, ce que lui a fait, il n'a pas parlé du tout avec les bonnes bougues que les concernés. Les bandes syndicats, tout ça là, il n'y a pas concerné du tout. Hein. Donc, c'est pour ça que Banal n'est pas content du tout. Les bandes syndicats, là, on aurait dû informer Azote au lieu d'informer la presse avant. Hein. C'est un petit peu comme le préfet la dernière fois, il y a passé aussi dans ce système. Que pas comment il fonctionne. Parce que la dernière fois, il dit oh, bon, la presse écrite, c'est la presse écrite, la presse visuelle, c'est visuel. Donc, chacun va gagner de communiquer. C'est un petit bout de temps, on n'a pas oublié. Hein. Chacun va gagner de communiquer comme ça. Donc Blanquer, donc lui ce que lui voulait faire c'est ça, donc les informations n'ont pas été communiquées du tout auprès des personnes clés concernées, à savoir les équipes éducatives et les syndicats. Là, exprime cette colère aussi sur les réseaux sociaux. Là, il appelle le ministre de l'Éducation à partager les informations plutôt que de donner ça en exclusivité à la presse. Hein. Donc, certains, ils disent comme ça, il faut que j'aille acheter le journal pour regarder. Mais c'est un gros problème, un malaise quelque part hein, pour connaître ce dispositif-là. Donc. Dans quelques jours, il devrait accueillir les élèves, hein, d'après ce qu'il dit là. Donc voilà, c'est un maillage. Non. Donc nous allons bien voir que ça y se passe aussi. Et nous allons aller du côté de l'Afghanistan. On rappelle à Zot que l'Afghanistan a promis les bannes talibans, a promis pas mal de choses là-bas, à Zot prise le pouvoir. Et là, maintenant, on commence à voir un petit peu le vrai visage des bandes talibans. Moi, je me pose vraiment la question, c'est pas si ça va péter une autre guerre encore là. Les bandes talibans, ils s'en gagnent encore sur notre doigt encore là. Une guerre qui s'est durée encore 20 ans encore. Alors, les talibans qui menacent les États-Unis, les conséquences, des conséquences si ces bandes-là, ils retardent notre départ au-delà du 30 août. Alors, donc... ils montent aux autres, c'est la mauvaise foi de ces bonnes bouglas, hein, parce que tout d'un coup, il faut laisser les gens le temps d'aller, alors donc ils donnent le truc là. Et ça, il risque, comment dire ça, de poser des problèmes. Hein. C'est, Nadio, à Kaboul, c'est le chaos. Voilà, donc Joe Biden aussi l'a causé aussi dimanche. Hein. Il a dit, il est pour le maintien des soldats au-delà du 31 août. Hein.
Donc le ton, il monte entre les talibans et les occidentaux. Alors donc en 2 semaines, elle a repris le pays parce que la CESOT fait maintenant, CESOT c'est les chefs, hein, donc là ils foutent tout dehors, des trucs comme ça. Et ils pensent qu'ils risquent de poser, c'est la population qui risque d'avoir des problèmes avec ça, les civils, hein, donc banal pas avec ça, les bandes talibans. On a vu comment Bana il fait. Donc, nous va attendre un petit peu, puis nous va voir un petit peu les conséquences que le Taliban il promet là, que ça va faire. Hein. Donc, je pense que ça, c'est qui s'avait prévenu ça là, le 30, c'est Sudai Shahin, hein, porte-parole des Talibans, que l'avait dit. Hein. Il faut le 30 août sur la chaîne Sky News, le 31 août, il faut que tout le monde a fini de quitter le pays. Ils ont fait Amazon, alors ils ont fait notre charia, peut-être, vous ne savez pas. Donc, voilà. Nous va voir ça là-dedans plus tard. Nous va passer aussi. À la Grèce et la Turquie, on avait vu ça dans le journal un bout de temps, mais la Grèce et la Turquie qui construisent un mur pour pas que les bonnes Afghans, pour le flux migratoire vers l'Europe, tout ça là, hein, donc un mur il est assez long quand même, de quelques kilomètres, on dirait, et donc pour défendre les Afghans de venir dans notre pays, de rester là-bas. Donc, la Grèce avait point l'argent dernièrement, t'es pleuré avec l'Europe là-bas pour gagner la monnaie. La Turquie, t'es pareil. Donc, maintenant, point l'argent pour nourrir le monde, pour nourrir notre peuple, mais par contre, on a l'argent pour fabriquer des grands murs. Ça l'est un peu comme ici à La Réunion. À La Réunion, la point l'argent, on a tellement de personnes qui vivent dans en dessous du seuil de pauvreté, on a beaucoup de personnes qui dans le chemin, la point la case, on met à des papiers d'autres factures, mais ils ont toujours l'argent qu'on donne ailleurs pour faire. Hein. Donc, les comme ça. Nous revient sur les incendies là en Grèce avec l'île Eubée. Elle avait fini un peu avec l'incendie, mais de feu la prend, mais là, le feu a reprend. Hein, rappelle la zone d'un des milliers d'hectares a été brûlé. Même que c'est le feu ça a été brûlé là, parce que on a des équipes de pompiers, bombardiers d'eau. Depuis lundi, un nouvel incendie dans le sud de l'île. Hein. Les quartiers, on a des quartiers comme Figia qui a été évacué. Donc le feu de forêt, Manadiao, il déplace à lui près de la station balnéaire Marmarie, à 200 km au nord-est d'Athènes. Donc nous avons aussi les autorités qui préparent l'évacuation de la population par bateau. Hein, donc d'après les informations des bonnes chaînes du côté d'Athènes là-bas. Et nous avons aussi que notre planète y brûle, hein, avec le réchauffement climatique de Munkri, mais notre planète y brûle. Nous allons du côté de Port-Louis avec la décision du ministre Maudou qui force les pêcheurs retraités d'aller à la rue, d'aller manifester. Hein. Manifestation que a eu lieu lundi du côté de Port-Louis pour sensibiliser la population à la situation des pêcheurs à l'île Maurice, là-bas, dans la rassemblement devant le Parlement pour faire entendre nos autres voix. Parce que la semaine dernière, le ministre Sudéa Maudou, là, il a décidé que l'ensemble des pêcheurs retraités devaient retourner cette carte de pêcheur. Elle va recevoir 52 500 roupies par les autorités. Hein. Atmachanto, syndicaliste des pêcheurs, il considère que ce somme de 52 000 roupies est une attaque contre la dignité des pêcheurs. Alors, pour lui, le gouvernement est en train de détruire l'emploi des bonnes pêcheurs. Donc, là, du côté de l'île Maurice. C'est le Mauricien, comme on a eu ces informations-là, dans la cité, hein, pour la César, ce qui est à César. Hein, donc, compte personnel de formation, quand vous êtes sur la pub, là, sur les publicités, tu vois, information gratuite, booster ici, fait par là-bas. Alors, il faut faire très attention, le CFP, là, il a de gros arnaques, il a des millions que a été détourné par des faux centres de formation et puis des centres de formation véreux sur internet. Donc et en plus attention avec les harcèlements que Manaï Ferrou avec des SMS, des courriers, des mails où les saturer, ils appellent au-dessus du téléphone dans n'importe quel machin. Et un jour on a voulu faire l'expérience, hein, de dire vous voulez faire une petite formation, et franchement mon téléphone t'arrête plus sonner, hein. Alors
que ça l'a fait, est-ce que vous faites ou faites pas, voilà, donc avez-vous pensé à avoir le CFP, patati patata, voyali, voyala, pour moi j'ai que ça, elle me disait, ok, bon, là on a des milliers de, là, des centaines de personnes qui ont été arnaquées là-dessus pour ces formations gratuites, 100% gratuites, nous voyons ça sur Facebook, nous voyons ça sur Google, nous voyons ça sur YouTube, alors attention, bien regarder, renseignez-vous bien sur les affaires, parce que avant de mettre de l'argent là-dedans, parce qu'après il y a pu récupérer, nous connaît plus qui s'est Simon Bougla, hein, voilà les affaires. Le causé de la Réunion, il avance, hein, il finit, il tire à sa fin, vite fait, là, m'a fait avec Cosmant la Réunion, faut pas avoir les yeux plus grands que l'estomac. C'est à méditer pour aujourd'hui. Nous va parler avec Jimmy de Sainte-Anne qui dit, moi, que ça l'a fait dimanche. Ma fin dit, oh, hein. Ma fin dit, dimanche, que ça l'a fait. Bah, un petit problème internet. Gérald de Saint-Pierre qui dit, nous, pourquoi nous te bonne politique les enterrer pour le pass, nous entend pas te parler, par contre, fait bon projet qui aboutit pas, ça a de l'effort. Par contre, sauve les autres, mais nous de peuple, les peaux crevées, ça, ils bougent pas le petit doigt. Bon, ça c'est Cosmant, machin, puis les SMS qui arrivent, hein, donc voilà. La Réunion avec la météo, le temps, beau temps, les prévus aujourd'hui, un petit peu la pluie du côté de Saint-Joseph, Saint-Philippe là-bas, Mayotte, de la pluie. Les prévus, Mayotte plutôt du beau temps, hein, avec un peu de pluie aussi. Du côté de Maurice ce matin, assez correct le temps. Voilà, donc le causé de la Réunion est fini. Merci à Zod d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, bossez, relargue pas. Bonne journée.